je veux dire que la police a un métier difficile et que lorsque l'on contrôle l'identité, on contrôle d'abord et avant tout l'identité de ceux qui pourraient être, je parle du conditionnel, qui pourraient ne pas être européens. Et voilà. Je sais ce qu'on va vous dire, on va vous dire, Gérard Longuet, quand il parle comme ça, il est raciste, voire islamophobe. Alors, je ne suis en effet pas islamophile. Je veux dire par là que c'est une religion qui me pose de vrais problèmes. Pourquoi ? Mais pour une raison très simple, c'est qu'elle ne sépare pas le temporel et le spirituel. Il y a d'autres religions qui sont peut-être dans cette situation. Il se trouve que je suis de culture chrétienne. Et cette culture rend à César ce qui est à César. Et le Christ a dit quelque chose qui m'arrange bien. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et ça m'arrange bien parce que ça veut dire que la République est notre bien commun dans l'immédiat. Et on a le droit de croire à la vie éternelle. Et à ce moment-là, mais la vie éternelle, ce n'est pas la République. Mais ça veut dire qu'il y a un problème aujourd'hui avec l'islam ? Ah, je pense qu'il y a un vrai problème depuis très, très longtemps dans tous les pays musulmans. C'est le statut du pouvoir politique et le statut des intellectuels par rapport à la religion.